Découvrons ensemble le livre de Michel Lébreu intitulé « Ce sera le plus grand pont du monde », finaliste du prix Robert Val dans la catégorie jeunesse. Michel Lébreu a toujours travaillé dans le domaine de l'éducation. D'abord enseignant pendant 5 ans, puis directeur d'école pendant 30 ans, il est également fasciné par le pont de Québec, tant par son architecture que par son histoire unique. À travers ses nombreuses années d'éducation, il utilise ce thème pour intéresser ses élèves à des notions scientifiques et à des principes mécaniques simples. Il publia en 1986 un premier livre sur l'histoire du pont de Québec, qui connut un grand succès, puis en écrivit un deuxième en 2001, pour lequel il a reçu un prix de la Société canadienne de génie civil pour sa contribution à l'histoire du génie civil au Canada. Enfin, il publie en 2008 une troisième édition de ce livre. Au cours de sa vie, Michel Lébreu aura donné plus de 2000 conférences pour conter l'histoire de ce pont, du niveau primaire jusqu'aux grandes universités. En 2019, il écrit une deuxième édition du livre jeunesse « Ce sera le plus grand pont du monde ». La première édition avait été éditée en 2005. Ce pont qui s'est effondré en 1907 fut reconstruit et a reçu depuis de nombreux titres de noblesse. Ce livre retrace alors les différentes étapes de construction du pont. Il s'adresse aux jeunes de 8 à 15 ans avec des illustrations qui facilitent la compréhension de tous. Il se veut aussi divertissant et raconte une histoire passionnante.